Et salut à tous les amis, c'est le commissaire. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, et on va débuter la campagne du mal, bien entendu en difficile. Et c'est parti. En fait, il dit rien. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est magnifique. On a quoi comme armée là? Ok. Et Homer et 60 Rohirrim. 20 archers et 60 Rohirrim. Je sais pas ce que c'est que ça. Lurtz tout seul. Très bien. Et on va se battre contre Sylvebarb, des Ents et des archers elfes. Allez, c'est parti. Nous, on a que Saruman. Ouais. La petite cinématique. Alors pour être honnête, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai eu un petit bug de son avec le micro. J'espère que c'est résolu. Bon, j'ai fait les tests, hein. Allons-y. Alors, nous allons voir les pouvoirs. Non, d'abord les objectifs. Alors, ok, abattre des arbres, produire des 100 Uruk-hai, super, je crois qu'on en faire plus. Et bon, Saruman niveau 2, c'est classique, pourquoi pas, acheter un pouvoir, on va le faire tout de suite. Et 16 bâtiments. Donc, les pouvoirs, cette fois-ci, c'est bon. On va acheter plutôt champ de guerre que le palantir. Ça permet de voir une zone de combat, mais ça m'intéresse pas. Par contre, faire plus de dégâts, ça m'intéresse. Voilà. On va envoyer Saruman ici. Ces piquets là ne servent à rien. Alors, je sais qu'il y a un bâtiment par ici, donc j'y vais. Je suis navré, c'est de la triche. Mais bon, la faute est à mon micro. Pourquoi tu t'en vas? Voilà, t'as servi à rien. T'as servi à rien parce que t'as fui. Alors qu'il n'y avait aucun danger. Tu m'expliques? Alors, eux, ils vont servir à l'exploration. Parce que de toute façon, ils servent à rien. On va pas les garder, donc. Mais ils sont très jolis. Hein. Mais ça sert à rien d'avoir des mecs jolis. Hein. Alors, ça va peut-être un peu vite. J'espère que... que ça va pour vous. Je suis en train de bombarder. Oh non! Je vais faire une scierie, moi. Un seul puits à Uruk-hai me suffira. Hein. Ok, y a rien. Allez par là-bas. Ah. Les elfes, les elfes. Bon, ils sont morts. C'est pas bien grave. Et oui, c'est Fangorn là, les gars. Mais j'ai peur que si j'envoie Saruman, il claque. Et comme vous savez, quand j'ai un héros qui meurt, je ne les fais pas.
Je ne les tue pas, ça ne me plaît pas. Parfait. On va faire plein de scieries partout. Voilà. Eh les gars, réveil. Voilà, ça c'est beau, ça Roman, ça. Mais il va où? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ces mecs? Bon, on va les laisser là parce qu'apparemment ils sont pas très, doués. Quelle bande de nazes! C'est dingue ça. Il fait un peu plus sombre, non? Hein, j'ai l'impression. On va faire plein de scieries. Je vais faire que ça, de toute façon. Regardez-moi cette armada, là. Ça, c'est pas beau. Tiens, allez, hop. Une autre. Vous, là. Venez, là. Une autre scierie, on y va. Roue contrôlée, 44, c'est pas assez ça les gars. Ah. Alors ça c'est du boulot pour mes arbalètes qui ont les flèches enflammées. C'est-à-dire pas eux. Ok. Et ensuite pour les bûcherons évidemment. Très vite, très vite, très très vite, très 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 vite. C'est bon, il va cramer. Prenez-moi ça. Beau travail. Est-ce que je peux envoyer tout ça là, taper ça, merci. De toute façon, on va en faire d'autres. Hein. Tout va bien. Je vais quand même surveiller eux parce qu'ils ont l'air de faire un peu n'importe quoi. Ça me plaît pas trop. Eh, feu, feu! Voilà, bien joué. Bien joué, ça. Ça leur a pas fait prendre beaucoup de niveau, mais... Ah bah... Ça alors. Allez, les gars, on va couper du bois, là. C'est parti. Il y a des elfes, ok, ça marche. Viens là, Saruman. Par qui? Ah oui, ouais, ouais, pas de soucis. Il y a Saruman qui arrive, les gars. Est-ce que je vais pas crever? Bon, c'est le risque. Alors, une question. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Alors, j'ai quand même une question. C'est, est-ce que je dois faire des soldats et les coupler avec des... avec des arbalétriers ou pas? Ou est-ce que ça sert à rien de faire ça? Je veux savoir si je dois coupler des guerriers. Là, produire des guerriers et les coupler avec les arbalétriers. Ou si ça sert à rien. Voilà. C'est bon là? Tout le monde est mort? Super. Bon, on a eu quelques morts. On a eu beaucoup de morts. Ah, on a eu beaucoup de morts. C'est pas grave. On va acheter un autre pouvoir qui est le palantir. C'est vachement important, notamment pour avoir accès à Ravage. Mais d'où ils sortent? Demi-tour, les gars, demi-tour. On va prendre les deux troupes avec du feu. Oh là 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 là! Attention, parce qu'il y a Saruman au milieu.
Et j'ai pas envie que Saruman fasse n'importe quoi, tu vois. Genre toi là, genre toi tu pars. Tiens, essaie de faire ça. Trop tard. Mais trop tard, ça sert à rien. Oh là là. Ce magicien inutile. Hein. Ouais. Bon, eux ils sont très efficaces. Parce que là j'ai fait que des. On va faire des guerriers aussi. On verra. Parce que j'ai peur que ça serve à rien. Ok, alors la mission n'est pas terminée. T'es où? Là. Viens là. Je sais qu'il y a, il y a des cavaliers du rang qui vont nous attaquer. Et j'ai. C'est là qu'il va être utile lui. Eh, arrêtez de regarder les gars là. C'est quoi tous ces chômeurs là? T'as cru que c'était la NPE ici? Allez hop. Ok, je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Regarde-moi cette armée d'ouvriers là, allez les gars! Ça, sont tellement inutiles ces types. Saruman, que nul ne survive! Dans quel côté tu tires? Pas mal ça, Roman. Maintenant, gros repli parce que c'est le carnage. Fou. T'es tout seul, toi? Mais ils sont où tes potes? Oh, hey, c'est un carnage. Tirez là-bas, les mecs. Oh là là, oh là là. Hey, y a des morts. Y a tous les ouvriers qui rentrent. Normal. Tout va bien. Oh là là, oh là là, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe ici. Saruman vient de battre. Alors le temps qu'ils arrivent. Laisse tomber, alors je sais pas si j'ai... Ah bah j'ai fini, voilà. Ça c'est fait. Yes, victoire. Alors, je sais pas si j'ai fait tous mes objectifs ou pas. C'est stylé. C'est stylé. Ah yes, bien joué. Ok, pourquoi pas. J'ai gagné quoi? 2 pouvoirs et 25 points de commandement. Ok, c'est bien. Oh là là, est-ce que je les renomme? Bon allez, on va les renommer. Ouais mais alors, j'ai bien envie de les joindre. Il me faudrait vos avis pour savoir si je les joins ou pas. On verra, je vais laisser comme ça pour un ou deux épisodes. Bon, du coup, hop. Ils ont gardé fondu. Voilà. Et ils alimenteront les industries de l'Isengard au prochain épisode. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!